Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tuto improvisé. Je vais vous montrer comment avoir Disney Plus aux Antilles, Guyane, Réunion et voilà, bref, les pays qui n'ont pas encore accès à Disney Plus. Alors déjà, si vous allez sur la page Disney Plus, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre PC, vous allez voir qu'il y a cette page qui s'affiche. En gros, si vous cliquez, voilà, ça vous dit plus d'informations pour plus tard, quand elle sera disponible et tout. En gros, on ne peut pas s'inscrire. Alors, première chose à faire, il faut installer l'extension Ola Free VPN. Il est disponible sur Chrome, Firefox, il est gratuit, le lien sera en description. Alors, pour l'ajouter à Chrome, pour ceux qui ont Chrome, voilà, ça s'installe en 2 secondes, voilà, c'est fini. Après, ça y aura une page qui va s'ouvrir, comme quoi, merci, voilà, bon, on s'en fout. Quand le téléchargement de l'extension sera terminé, vous pouvez retourner à nouveau sur le site de Disney+, vous allez cliquer sur la flamme en haut à droite. Si vous l'avez bien installé, la flamme normalement se trouve ici. Vous allez cliquer sur la flèche descendante à côté du drapeau des États-Unis. Après, vous allez sélectionner comme pays la France. En gros, ça va simuler votre position comme quoi vous êtes en France. En gros, ça va tromper l'appareil que vous êtes en France. Et là, vous devrez en gros, choisir votre moyen de connexion. En gros, pour aller plus vite, soit c'est Facebook, c'est largement plus rapide. Moi, je vais sélectionner par exemple Google. Quand vous aurez fini de rentrer vos coordonnées, vous pouvez après valider. Puis après, vous devrez attendre. Voilà, il y a un minuteur qui va s'afficher, ça c'est pas très grave. Après, ça va vous donner cette page. Bizarrement, c'est pas la page qu'on avait avant, vous êtes bien d'accord? Vous allez cliquer sur Login. Et voilà, les identifiés apparaissent. Et vous voyez aussi le drapeau français apparaître parce que vous êtes maintenant localisé en étant en France. Vous cliquez sur 7 jours gratuits et vous rentrez maintenant votre adresse email. Puis quand c'est fait, vous choisissez ou non de cocher. En gros, si vous devez recevoir des emails de Disney+, comme quoi il y a une mise à jour, etc. Bon, je pense que personne d'entre nous va cliquer. Vous choisissez sur suivant. Vous cliquez sur suivant. Après voilà, il y a le truc, bon, on lit jamais de toute façon. Puis arrivé à cette page, vous devez bien évidemment rentrer un mot de passe. Quand c'est fait, vous cliquez sur continuer. Vous attendez à peu près 5 secondes. Dernière étape, en gros, je pense que vous connaissez, vous rentrez vos informations de carte, donc votre nom, numéro de carte, date d'expiration, etc. Vous devez, si vous ne voulez pas payer donc les 6 euros, juste la période de 7 jours, vous devez résilier avant le 18. En gros, moi, comme je le fais aujourd'hui, et c'est 7 jours, c'est jusqu'au 18. Parce que nous sommes le 11 au moment où je fais cette vidéo. Si vous le faites demain, ce sera jusqu'au 19. Et quand vous avez rentré vos informations, ça y est, vous avez maintenant Disney+. Bon, je ne pourrais pas mettre malheureusement un épisode pour vous montrer, mais en gros, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé à avoir Disney+ si vous ne l'aviez pas. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager aux gens qui n'ont pas accès à Disney+. Et voilà, je vous rends rendez-vous pour la prochaine. Salut à tous. Alors, pour ceux qui veulent savoir comment résilier tout de suite, vous allez dans « Compte ». Vous sélectionnez détails de facturation, puis après, normalement, il y aura un bouton, je crois, à la résilier. Comme vous le voyez, vous pouvez regarder Disney plus jusqu'au 19. Ensuite, vous devez réactiver votre abonnement parce que je l'ai résilié, donc je n'aurai rien à payer.